Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Véder, le mic et la caméra maintenant aussi. Donc, j'ai eu un petit problème, j'ai pas pu. Mon micro était pas branché en fait quand j'ai enregistré ça. Donc, ben, je vous le fais un peu facecam. C'est ce dernier genre de facecam avant la vraie cam, l'ordi et tout, puisque l'ordi, normalement, jeudi, c'est bon. Et du coup, ça va être du vrai montage. Je vous proposerai des sujets totalement autres que le jeu vidéo. Donc là, on a repris déjà exactement là où on s'est arrêté à la fin du premier épisode. J'ai pas de ventilateur. J'ai pas de. J'ai reculé la play le plus possible pour que ça siffle pas dans vos oreilles, quoi. Parce que le micro, ben, maintenant, c'est plus un micro de merde et il capte bien, quoi. Donc voilà. Et puis, c'est pour ça que je suis torse nu. Donc, excusez-moi, mais il fait extrêmement chaud. Et puis, j'ai fermé les fenêtres comme ça pour pas avoir les bruits des voitures ou je ne sais quoi. Donc, là, voilà. Là, je contrôle un Android que c'est la première fois que je contrôle. Je vais chercher mon patron. Donc, j'ai fait quelques petits coupages pour monter dans le montage, tu vois, pour. Là, je vais arriver direct à sa chambre. Voilà. C'était 20 mètres plus loin. Donc, voilà. Je vous propose des vidéos sur des thèmes historiques, des thèmes de serial killer, Il est 10 heures. de ce qui est Le temps est court. l'actualité. Je fais tout pour J'aurais aussi arriver quelque là et chose, tu deux, fais trois trucs à ce que dire, tu par exemple, veux. sur les véganes, tout ça, parce que c'est un Tu sujet qui joues la m'intéresse. poète, tu joues la poète. Enfin. Je suis plus Je suis persuadé que anti-vegan, j'aimais mais la bon. voiture que vous avez commandée. Ah, j'ai oublié. Et me Je diversifier viens un de peu dans la finir mon chaîne, verre de en whisky. plus du jeu Enfin, vidéo. Hein. presque. J'abandonnerai pas le jeu vidéo, je vais prendre un boîtier de capture pour. Un boîtier d'acquisition, pardon, pour pouvoir le brancher sur l'ordi et faire des lives avec la Play branchée à l'ordi. Donc je jouerai sur Play, vous verrez la Play, mais je ferai tout après sur l'ordi, le montage, tout ça sera beaucoup, beaucoup plus propre. Et puis il y aura pas la PlayStation Caméra, mais une Dis-moi, Logitech c'est quoi la marque? 920, il me semble. Et Merci. du coup, Je venais à peine de un fond recevoir et vert. j'ai déjà des dents. Et voilà, hein, ce sera pas mal déjà. Des humains, tu n'es Puis qu'un surtout le épisode. montage sur ordinateur, j'ai hâte quoi, parce que ce sera beaucoup Pourtant, mieux à tu mon m'as avis. souvent, Et avec tous ces efforts, même la tous qualité ces de la efforts. caméra, tout, ce sera top, j'ai hâte. Qu'est-ce qu'ils ont, tes vêtements? Donc voilà, il s'occupe Reste encore. je vais allumer de temps en temps le Vêtements, ventilateur vite la fait parce poète. qu'il fait extrêmement Pense chaud. vraiment pouvoir ralentir le problème, brutalisons quelques endroits, Lisa. J'espère Mais qu'ils vont te normalement, vous refaire devrez l'affaire. plus trop être Justement. embêté par le sifflement, à part dans cet épisode. Si j'avais enregistré en même temps que je jouais, justement, j'aurais ça sifflait à mort parce que le jeu, à mon avis, est très lourd et ça l'a fait tourner, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, voilà, c'est à base de QTE, hein, mais chaque choix influence ton truc. Par exemple, je disais que j'ai vu le live de Zone Jeu Rétro et il jouait cette partie. J'ai pas fait les mêmes choix que lui. Comme ça, déjà, ben voilà quoi, j'ai pas fait les mêmes choix que lui, au moins je ne sais pas ce qui va se passer vu que chaque choix change ton itinéraire de jeu, on va dire, le scénario quoi. Il y a quelque chose dans mon agenda aujourd'hui? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Oui. Le directeur de la galerie a laissé quatre messages pour que vous confirmiez votre présence. Tu vas voir la vitesse un peu du truc pour descendre l'escalier du papy là. Ah, de nos Justement, jours, ça va. j'ai besoin. Bouh, tu vois. T'as vu ça? Tu as des nouvelles de Léo? En tout cas, big up à Antonio Falconi, big up à La Faucheuse qui me suit aussi, c'est super cool. Et j'aimerais vraiment avoir beaucoup
de gens comme vous, ce serait super, quoi. Qu'on ait une bonne communauté, et on finisse nombreux, quoi. Genre, déjà 1000 abonnés, ce serait super. Puis après, de là, ça augmenterait forcément, puisqu'on serait 1000, t'imagines. Mais déjà, si j'avais 200, 300 abonnés là, ce serait déjà super. Mais des abonnés qui regardent, pas abonnés, ça lui passe là après, tu vois. Ça c'est pas des vrais abonnés, quoi. Par exemple, la résolution de la cam que je vais prendre sera beaucoup meilleure que celle-ci, hein, parce que là, je vois que c'est pas net du tout. Vous verriez que je transpire un petit peu avec l'autre cam. Ce serait net, quoi. HD, hein. Donc voilà, hein. Même les mêmes touches que dans Heavy Rain, mais en mieux, je trouve. En mieux, et tu déplaces ton personnage avec le joystick gauche et la vue à droite. Alors que dans Heavy Rain, pour faire marcher ton personnage, tu restes appuyé sur R2 et tu contrôles avec le joystick un peu où il va. Mais j'accroche pas trop à Heavy Rain pour l'instant. D'accord, ça Et marche. j'ai beaucoup de let's play en jeu, donc vous inquiétez pas s'il y en a certains que j'ai laissé un peu de côté pour l'instant, parce que c'est pas faisable, hein, 5 let's play en parallèle. C'est pas que c'est pas faisable, mais c'est très intensif si vraiment je m'y mets. Il faudrait que j'enregistre sur 4 jeux, 5 jeux tous les jours, tu vois, pour prévoir le roulement. Enfin bref. Mais vraiment, vous inquiétez pas, vous allez vraiment plus me voir, plus on va partager beaucoup de culture générale, de tout ça. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Veuillez m'excuser, car je me suis dit qu'il N'est-ce fallait. pas le meunier qui a fait ce qu'il fallait? Je confirme l'humiliation à la pitié. Je sais pas si. T'as vu, je vous avais pas dit des conneries, regardez. Philippe Risque de Maurice, réveiller sur c'est toi-même rouge et faire et croire blanc aux gens avec un mec qui a un petit chien. C'est plus marron. et qui tu Et deviens. c'est les Philippe Maurice, Ce monde n'aime en que ceux qui rouge, c'est se écrit. croient plus. Ne laisse personne te dire ce que tu dois faire. Allons à l'atelier. Et je ne fais pas l'apologie du tabac. Ne fumez pas. Ok, c'est mauvais pour votre santé. Je le fais parce que j'ai pas fumé depuis un moment là. Ça n'est en aucun cas de l'incitation, et même je vous contre-incite à faire ça. C'est pas bien. Vous allez cramer vos poumons pour rien. Au début, tu fumes là pour faire le beau devant tes collègues, après t'es accro et voilà. Ah, elle est belle la vie, après t'as le cancer. Super, hein? Voyons où on s'était Mais j'ai arrêté. déjà bien Vas-y, réduit. enlève le drap. Le paquet là. J'ai dû fumer 3 clopes dessus. Donc comme dans celle-là, ça fait une semaine. Non. 3 jours que je l'ai, pardon. 3 jours. Donc pas excessif. Donc là, je range un petit peu son atelier. Après, il va me faire faire une petite peinture. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai l'emballage pas neutre, c'est juste
que... Voilà. Bon, on ne parlera plus de tabac sur cette chaîne. Fini, ok? C'est la première et dernière fois. Un jour, je vous révélerai un truc quand on sera nombreux, nombreux, nombreux. J'en parlerai une seule fois, pas deux. Je répondrai peut-être à quelques questions. Et après, fini, j'en parlerai plus jamais. Donc voilà. Vous êtes prévenus. Là, il y a son cocaïnomane de fils qui va débarquer pour lui taxer de l'argent. C'est... Deux fenêtres, double vitrage fermé. Vous l'avez entendu, l'arlé, là? Imagine quand j'ai les fenêtres ouvertes. J'entends plus rien. Je passe une fois le matin, une fois le soir, en général. Ok. Donc là, ils te disent de peindre avec le pavé tactile, tu vois. C'est vraiment la manette, c'est que des QTE, 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 QTE. Si t'aimes pas les QTE, ne prends pas ce jeu, mais prends. Franchement, c'est pas vraiment mon style de jeu, j'aime pas tellement, mais j'aime vraiment le concept de chacun de tes choix influe sur l'histoire et tu peux faire trois fois le jeu en ayant trois histoires complètement différentes. Et ça, c'est un concept Je ne pense que pas. j'aime. Ah bah ce n'est Et pas vu un que le jeu. jeu était gratuit, et il est Oui. toujours gratuit, les amis, sur le PS Plus pour le mois de juillet, donc allez-y, téléchargez-le, il est gratuit. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que 70 € là, non, moi je l'aimais pas. Mais vu qu'il était gratuit et que ça me plaît quand même assez pas mal ce concept de scénario multiple selon tes propres choix, voilà, j'ai dit allez, on va tenter. Et puis ça a l'air quand même assez bien fait. Regarde les graphismes, c'est très bien fait, on peut pas le nier. Maintenant, concentre-toi Et ça me plaît quand même. sur Ça me plaît quand même. J'aime ce bien ce genre de jeu, même qui si j'aime pas trop 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 ça, que c'est pas du tout mon genre de jeu et que les QTE ça me gave. J'aime bien celui-là. Franchement, j'aime bien celui-là. Comparé à par exemple Heavy Rain, mais bon, Heavy Rain, j'en suis qu'au début, je peux pas vraiment te dire non plus. Mais franchement, celui-là est bien. Et il est bien. Donc là, le fiston qui se rapplique. Salut papa. Hein? Eh Tu oh. parles. C'est vraiment un salopard, le mec, quoi. Je ne t'ai pas entendu entrer. Ah, je Il a pensais pas te vraiment dire. pas Je te rends de. visite. Pas de Tu m'entends? figure. Il a pas de figure. Donc, tu vas bien, tu parles. Je vais bien. Écoute, j'ai besoin de qui, papa? Encore? J'ai besoin de liquide, papa. Fais passer l'argent que je vais te donner. Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais, tu m'as encore pris, c'est ça? Non, j'ai rien Non, fait. non, 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 je te jure que c'est Mais pas ça. Ne mens non, pas. mais. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je
je suis Oui? désolé. Ben, je te le donnerai pas, hein? Moi, mon père, il m'a jamais donné d'argent. Et ben Je voilà. sais pourquoi. C'est pareil pour toi, sauf que ton père, il est là et il Moi, est je sais riche. pourquoi. Mais toi, t'es qu'un Tu junkie. préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre Ben, mon fils. père, il préfère prendre soin de son bateau, de son 4x4, en C'est que Corse, nous obéissant, on apprend. de sa Et toi, c'est que femme. tu es un bon fils. C'est une Hein? putain de machine. Léo, stop, ça Moi et mon suffit. frère. Non Arrête. mais. Mon père aussi, je ferai un épisode sur Tu lui. t'intéresses qu'à toi-même. T'es foutu quand tu Dans m'aimes. un moment, vous comprendrez. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Donc, on a débouché sur plusieurs trucs. Hop, on change de personnage, les amis. Donc, ok, désolé, j'ai écrit un petit message, c'était vraiment important. Je couperai peut-être. Voilà, donc là, il faut analyser le visage des gens. Pardon, j'avais pas compris ça tout de suite. Donc, voilà. Si je fais ça. Pareil. Bref. Donc la concordance, comme par hasard, c'est le dernier pélo que je vais identifier, comme dans tous les chaque fois. Donc ok. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément Ok. à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. Pas besoin Et c'est lui le d'espèce. modèle spécialisé, Quand c'est le tu veux modèle le plus l'utiliser, haut de gamme qui toi, sois existe gentil. pour l'instant, de ce que j'ai Pourquoi tu compris. m'intéresses? Et là, je fais Je reviens, insister. lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Les Et instructions en fait, il est précisent. tellement Non. haut de gamme Où ça? que lui, là, l'inspecteur. Oh, l'inspecteur Android, dès qu'il meurt, ben on prend sa mémoire et on la retransfère dans ben, le même corps. Ils doivent avoir plusieurs corps exactement similaires et dès qu'ils crèvent, hop, ils remettent la mémoire dans un nouveau corps et Je crois exactement le qu'il faut même m'aider. et hop, c'est reparti. Le Pourquoi tu mec, il crois est qu'il pas faut mort en m'aider? fait. C'est parce qu'ils vont me mettre une foutue marque. Et Votre le société problème, c'est est que impliquée dans il peut l'opération perdre des Cyberlife. petits bouts de Vous mémoire savez que je vaux une selon quantité la d'argent? mort. De ce que j'ai compris. On arrive même à programmer des connards. Sans déconner. Merci. Ok.
sûrement pas. Je viens avec vous. Écoute, il va vraiment falloir que t'arrêtes de me briser si tu veux finir la soirée en un seul morceau. Voilà, donc là, pareil. Je suis le lieutenant sur la scène de crime. J'ai résolu ça assez vite. C'est après que j'ai fait un truc surtout bien différent de Zone Jeu Rétro, comme ça, je sais pas qu'est-ce qui va arriver dans le scénario qui va m'arriver, puisque j'ai pas fait les mêmes choix. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes... Excusez-moi. Pattes, d'accord, compris. Salut Hank, on commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'est pas du rosé, hein, c'est sirop de grenadine, les potos. C'est pour ça que je suis gros comme un... comme un je sais pas quoi. Là. Oh bon sang, mais ça tue! C'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres! Mais c'est normal, il est mort depuis. Je me rappelle plus, mais depuis un moment. Genre. 6 semaines? Non, c'est trop. Je sais plus. Ça, c'est du cristal rouge, Red Ice. Ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine. Il part ici. Probablement l'arme. Se faire saliver, c'est bien. Passer à l'action avec Oikos, c'est... Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. J'arrive prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin. Alors là, j'analyse les coups de couteau. 28 coups de couteau. Mort il y a 6 semaines. C'est ça qui était écrit ? Voilà, là on va reconstituer la scène qui s'est passée dans le salon, du moins.
il a été poignardé. 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. C'est comme si c'était fait. Voilà, donc là maintenant on va faire une petite analyse des narcotiques. On va remonter jusque dans la cuisine. Je me suis planté un moment quand j'ai appuyé sur le bouton. Pour lui dire ça s'est passé dans le salon, je sais pas où, et je me suis trompé. J'avais la bonne réponse, mais je me suis trompé de bouton. Saleté de QTE. Là, trace de lutte dans la cuisine, batte de baseball dans la cuisine. Et ça appartient aux morts. Et là-dessus. Regarde. Voilà, donc il tapait son androïde. Son androïde là pour se défendre a chopé le couteau. Il est tombé. Il a dû aller un peu vers le salon et. Clac, 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 clac. L'androïde l'a fumé quoi. Tu vois, c'est là que je me suis trompé. Je voulais dire cuisine et... Alors, je suis très fatigué, ça se voit, hein, mais bon. Je fais cette vidéo-là et dans la prochaine, t'inquiète, je branche tout bien. Et je joue en même temps que je commente. Au moins, il n'y a pas... 2000 bics comme ça, là. Schmilblick. Ok, il s'est passé quoi après ? La victime s'est enfuie dans... le salon. Écoutez, je vous laisse la suite de l'épisode comme ça. Et je viendrai faire une petite conclusion à la fin, d'accord ? Allez, je vous remercie, à tout à l'heure les gars. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi ? Du thyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein ? Exact. Ouais.
quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Putain de merde! Chris! Ben! Ramenez-vous en vitesse! Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. Hey, re, voilà, donc on est vers la fin, c'est la dernière action de jeu, donc on va se regarder ça et puis je vais vous dire au revoir après, voilà. Donc je le sers lui en premier au cas où il nous pète un boulard, hein, parce qu'il a l'air... voilà quoi. La fille, regarde-moi comme elle a l'air. Ça me fait mal au cœur les gens comme ça, parce que je sais qu'il y en a un paquet des gens comme ça qui ont des enfants et qui vivent l'enfer, quoi. Je l'ai fait exprès. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain?
faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est ma faute si ta cote de mer a foutu le camp. Carrément. Tu dois arrêter la drogue, toi. Évidemment, là, oui. J'ai vraiment peur, t'as... Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de gros tout est de ta faute. Papa, non. Tout est de ta faute, putain. Ah, il veut la finir en plus. Reviens ici. Reviens ici tout de suite. Putain, psycho de drogué de merde. Enfin, c'est des gens qui prennent de la drogue et qui sont responsables avec leurs enfants, responsables tout court. Peu importe la drogue. Hein. Dur, pas dur. Il y a des gens responsables. Et il y a des grosses merdes là, comme ça. Ça me débecte. Débecte les gens comme ça. Si tu ne peux pas assumer, ne te drogue pas, espèce de merde. Excusez-moi mon langage, mais je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Quand ça touche un enfant, je peux pas. Raisonnez-toi, ouais. Pour me prendre des patates. Donc là, si je vais dans sa chambre direct, je peux récupérer son flingue. Mais j'y ai pas pensé. Enfin, j'y ai pensé trop tard. J'avais déjà la gosse avec moi. Voilà. Avec qu'est-ce qui est... Allez, elle va voir la gosse. Il arrive, il va me faire du mal. Cours, enfuis-toi, il va me faire du mal. Je m'assois un peu plus bas, désolé. Tu viens avec moi. Parce que j'ai dû relâcher le bouton carré, à mon avis. Et voilà. Écoutez les amis, si vous avez kiffé, en tout cas, j'espère que vous mettrez un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Abonnez-vous et partagez pour qu'on devienne nombreux à la fin, ce serait super déjà, 200-300 personnes. T'imagines si on était 200-300 personnes. Moi, j'imagine pas, enfin bref. Et j'espère que ça arrivera et en tout cas... À la prochaine dans un prochain épisode. Et j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. On reprendra exactement à la fin de là où on s'arrête là. Je vous laisse la fin de la cinématique. Allez, ciao tout le monde.